Salut à tous, c'est Chav. Et Misa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo restaurant à Disneyland Paris. Et nous nous retrouvons pour le Silver Spur Steakhouse, je ouais, crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Le resto des cow-boys. Ouais, allez, venez avec nous. Mais c'est trop stylé. Salut. Ok, donc on commence par l'entrée où on a un cocktail de crevettes. Oui. Et toi, t'as pris une entrée vegan avec des l'avocat, haricots rouges, tomates. Alors. Et on a pris le cocktail des 30 ans. À 15 euros le cocktail, mais c'est pas grave, on avait trop envie de goûter. 10, pardon. T'es sûr? On passe au plat principal où j'ai pris moi du saumon rôti aux épices avec son épi de maïs. J'ai jamais mangé ça, donc on va découvrir. Et Jay a pris une brochette compotée d'oignons, c'est le plat vegan qu'ils ont dans ce restaurant. Et on passe au dessert, donc moi j'ai pris le feu d'artifice de saveur, c'est le dessert spécial des 30 ans, et Jay a pris une salade de fruits. Il faut rappeler que le menu est à 42 euros par personne. Sincèrement, voilà, c'est pas que c'est pas bon, parce que c'est très bon. On a le choix, mais c'est pas le meilleur resto que j'ai fait à Disney. Bah, en fait, le cadre est joli, tout est joli. On était juste à proximité de la cuisine, en fait. Avec le feu, voilà, ouais. Qui se trouve dans la salle où il y avait Brock Lesnar qui utilisait le feu. Et du coup, non, la brochette de légumes était très bonne, les boulettes végétariennes étaient très bonnes. J'ai bien aimé la salade de fruits. Et bon, le cocktail par contre repassera. Ah ouais, le cocktail, ah bon, c'était pas bon du tout, faut pas le prendre. Hein, c'est pas que c'était pas bon, c'est que... Oh non, ça vaut 10 euros, et moi j'ai pas aimé. Hein. On s'ennuie. Oh ouais, le non. Cocktail, il est pas amusant. Non. Je sais que c'est non, mais sinon, ouais, le restaurant, c'est bon. Hein. Mais bah, c'est déjà, beau. Ouais, déjà c'est beau. Après, les épis de maïs, j'ai pas du tout aimé. Mais alors ça, c'était la première fois que je goûtais et que j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais ouais, non, c'est pas le meilleur resto que j'ai fait à Disney. Voilà, après, si vous avez déjà été dans ce resto, dites-nous ce que vous en avez pensé. D'autres restos arrivent sur la chaîne. On vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.